Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. La bohème, Matt Pokora. Enfin, à bientôt, Matt Pokora. Si vous êtes fin connaisseur et fin gamer, vous aurez très certainement reconnu la sonorité de cette introduction. Elle aura très certainement donné quelques frissons à certains et d'autres se poseront des questions. Et oui, vous l'aurez compris ou pas, cette année, on va parler de la Wii U qui fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire, Dilly. Joyeux anniversaire. Alors, pas de panique si vous n'avez pas la Nintendo Wii U, puisque vous pourrez toujours l'émuler sur un Nokia PureBook Pro qui sponsorise cette vidéo. La transition est juste parfaite. Et bah, bien sûr, puisqu'avec son écran 15,6 pouces Full HD 1920x1080, son processeur Intel Core i3 dernière génération, son SSD 512Go de stockage pour y stocker tous les jeux que vous voulez, ainsi que ses 8Go de mémoire RAM DDR4, vous pourrez installer et émuler de nombreux jeux de la Wii U. Alors pas tous. Alors avant toute chose et en priorité, le Nokia PureBook Pro ne s'adresse pas à des gamers, mais à un public nomade, collégien, lycéen, à la fac si vous voulez l'emmener, donc pour les étudiants en globalité. Mais pas que, puisque si vous êtes simplement nomade, que vous voyagez un petit peu partout, eh bien ce PC vous accompagnera dans tous vos déplacements. Puisqu'il ne fait seulement que 2 kg et il ne prendra pas plus de place qu'un porte-document dans votre sac à dos. Niveau connectique, on aura le droit à un port USB 3, un port de carte micro SD, ainsi que deux ports USB-C qui vont être destinés à l'alimentation de l'appareil ou bien au transfert de données, et une prise jack 3.5. Vous y retrouverez un grand clavier ainsi qu'un grand pavé tactile pour votre plus grand confort d'utilisation. Son look ultra design et son capot en alu brossé seront du plus bel effet. Vous pourrez bien sûr le retrouver en 3 coloris différentes. Vous aurez Windows 11 Family d'installer dans l'ordinateur. Ce sera votre compagnon idéal pour toutes les tâches que vous avez à réaliser au quotidien, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement. C'est une exclusivité Carrefour, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur l'ordinateur, je vous mets un lien bien sûr en barre de description. A vous de choisir votre préféré, le Lite, le Fold ou bien le Pro, il y en a pour tous les budgets. Mais pour ma part, le meilleur moyen de jouer à la Wii U, ce n'est pas de l'émuler sur un PC, mais bien d'y jouer sur la Wii U elle-même. La Wii U, la console de Nintendo sortie le 30 novembre 2012 chez nous en France, qui fête aujourd'hui presque jour pour jour ses 10 ans. Alors je suis un tout petit peu en retard, et c'est malheureusement une console qui n'a pas eu le succès escompté par Nintendo. Et c'est bien dommage, puisque pour ma part, je trouve qu'on a là une excellente console. Vous avez ici le prototype de la Switch, les mecs. On pourrait dire qu'on a entre les mains la bêta de la Nintendo Switch, avec tout de même ses exclusivités. Bon, de moins en moins, puisque la plupart ont été portées sur la Switch aujourd'hui, et c'est pas une mauvaise chose, puisque c'est une console qui a été boudée pas mal par le public des gamers. Ça a permis à de nombreuses personnes de découvrir ou bien redécouvrir de nombreux jeux déjà sortis sur la Wii U. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous remet souvent la même chose sur la table, hein. Pourquoi cette console a-t-elle eu un échec et n'a pas trouvé son public? Ce serait apparemment dû à une mauvaise communication commerciale. En tout cas, tout le monde est unanime là-dessus. Disons que lorsque la Wii est sortie en 2006, ça a été un carton, ça a été phénoménal, elle a tout de suite trouvé son public. Et lorsqu'ils ont annoncé la Wii U quelques années plus tard, en 2011, lors de l'E3, les gens ont plus vu ça comme une sorte d'extension, une sorte d'accessoire à la Wii. En soi, un pad qui serait superflu à l'utilisation de la console. Alors qu'en réalité, c'était vraiment une nouvelle façon de jouer à la Wii. C'était une nouvelle console. Alors après, on pourrait émettre tout un tas d'hypothèses. Est-ce qu'ils ont mal géré le nom de la console? Ils ont appelé ça Wii U. Ils auraient peut-être dû l'appeler la Wii 2, ou bien même choisir un autre nom. En tout cas, c'est la toute première console de salon sortie où tu pouvais commencer ta partie sur la télévision et switcher ensuite sur le gamepad. Voyez, le terme switcher était déjà là à l'époque. En fait, c'est peut-être elle qui aurait dû s'appeler la Switch. Et va savoir après la Switch 2. Il y a peut-être eu une mauvaise communication là-dessus. Alors c'est la deuxième Wii U que j'ai, puisque la première, j'ai voulu la craquer. En fin de compte, j'ai juste craqué mon slip, puisque c'est la console qui a totalement craqué, hein. Voilà, comme on dit dans le jargon, je crois que la console était briquée. J'avais certainement dû faire une mauvaise manipulation, une mise à jour qu'il fallait pas. Bref, je l'ai renvoyé en garantie sans rien espérer en retour, hein. Je me suis dit ça va pas passer et tout, et puis bah c'est passé. Ils m'ont renvoyé une Wii toute neuve.
J'ai dit ok, nickel, je recommencerai pas. Donc c'est vrai que lorsque vous vous engagez dans des trucs comme ça, vaut mieux savoir ce que vous faites et être conscient de ce que ça peut engendrer sur la console. Pour moi, la Wii U, ça reste vraiment une des meilleures consoles de Nintendo. Comme je vous ai dit, ils ont sorti un tas d'exclusivités à la Wii U qui, pour la plupart, ont été portées et continuent d'être portées sur la Switch. Alors il reste tout de même quelques irréductibles qui résistent, qui n'ont pas été encore portés sur la Switch. Va savoir, peut-être que ça va venir, hein. Notamment, pour moi, la plus grande exclusivité de la Wii U, la meilleure, Zombie U. Alors ça, c'est très subjectif, hein. C'est à titre personnel lorsque je vous dis que c'est la meilleure exclusivité Wii U. Mais en tout cas, je me demande si c'est pas le seul jeu, en tout cas, la plus grosse licence de la Wii U, qui utilise à 100% les fonctionnalités du gamepad. Ce jeu a été fait et optimisé spécialement pour jouer avec le gamepad. C'est d'ailleurs l'un des seuls sur lesquels vous ne pouvez pas continuer votre partie uniquement avec la manette. Vous êtes obligé de jouer et sur la télé et sur le gamepad. Alors après, vu que la console n'a pas eu le succès espéré par Nintendo, Ubisoft ont décidé de le porter sur d'autres plateformes, puisque oui, c'est Ubisoft qui ont fait ce jeu-là. Alors c'est le même jeu, mais ce n'est pas la même façon de jouer. D'ailleurs, ce n'est pas le même nom, hein, puisqu'ici on a Zombie U, et sur les autres plateformes, il s'appelle juste Zombie. Donc celui-ci résiste bel et bien à l'exclusivité de la Wii U. Et donc au même titre qu'à la base, j'ai acheté la Nintendo Switch exprès pour jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild, j'ai à l'époque acheté la Wii U exprès pour jouer à Zombie U. Voilà, c'est vraiment le jeu qui m'a hypé, c'est celui-ci que je voulais faire. Petite anecdote, je l'ai jamais fini. D'ailleurs, j'ai pas été très loin. Mais franchement, c'est un excellent jeu, les mecs. Ça, on va encore me le reprocher. À chaque fois que je présente des jeux, les mecs, on dit « Ouais, mais tu présentes tes jeux et tout, mais t'en finis aucun. » Ouais, mais je suis comme ça. Voilà, moi, j'aime bien essayer un petit peu tous les jeux et... Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu. Vraiment, que je n'ai pas fini. Mais il est vraiment top. Ça vous dit qu'on le finisse en live sur Twitch ? Ça pourrait être sympa. Dites-moi ça dans les commentaires. Je m'engage devant la France entière. Vraiment, ce que je kiffe avec ce jeu, c'est qu'on est réellement sur un survival horreur. Et j'appuie bien sur le mot survival, puisque vous n'allez pas être à trouver 100 cartouches de pompe dans une benne et un chargeur de mitraillette dans celle d'à côté. Non, ici, il va falloir compter vos munitions. Va falloir économiser. Et du coup, t'es tout le temps en stress, il y a un suspense, il y a tout le temps une tension. Et voilà, vraiment, j'adore ce jeu. Même si je l'ai pas fini. Et donc, le rôle du gamepad joue une très grande importance dans ce jeu. D'ailleurs, il va être obligatoire pour jouer au jeu. Hein, puisque vous allez devoir gérer votre inventaire avec le gamepad. Vous allez avoir la carte. Vous allez pouvoir jouer avec les tourelles. Vous allez pouvoir analyser différentes choses dans diverses salles. Vous allez gérer votre lampe torche, vos armes, recharger vos armes. Enfin, voilà. En fait, tout ce qui va être fait pour gérer le joueur va se passer sur le gamepad. Histoire d'afficher le moins de choses possibles à l'écran. À l'écran, vous allez juste avoir le jeu, point. Voilà, vous n'aurez pas la minimap dessinée, vous n'aurez pas le nombre de munitions qui vous reste, la batterie de vos lampes torches. Tout ça, ça va être géré via le gamepad. Alors après, ils ont sorti d'autres exclusivités, bien entendu. Hein. Je pense à Zelda The Wind Waker HD, qui est vraiment excellent. Bon, après, ça a été un remake de celui qui était sorti sur Nintendo GameCube à l'époque. Mais ici, on parle d'une exclusivité où vous aurez aucun mal, comme je vous le disais en début de vidéo, à l'émuler sur un PC. Alors que Zombie U, effectivement, vous allez pouvoir l'émuler, mais vous allez être emmerdé si vous n'avez pas le gamepad. Zelda The Wind Waker HD est d'ailleurs l'un des jeux auxquels vous pouvez démarrer votre partie sur la télé et switcher directement en jouant avec le pad. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres puisqu'il y a plusieurs jeux qui proposent cette fonctionnalité. Alors je pense par exemple à Super Mario Maker, ici l'édition collector, Just Dance, bon c'est... Just Dance quoi. Batman Arkham Origin, qui est vraiment excellent et que vous pourrez finir en entier sur le pad. Darksider 2, qui est pas mal. Et alors Nintendo Land, je crois par contre il faut absolument le pad pour jouer. C'est le dernier jeu auquel j'ai joué avant de démarrer la Wii U pour faire cette vidéo d'ailleurs. Et ça remonte à un petit moment. Voilà, donc là je viens de vous sortir toute ma collection jeux Nintendo Switch. Ouais, j'en ai pas beaucoup, mais bon c'est suffisant en vrai. Alors il est vrai que j'en rajouterai bien un ou deux à ma collection, notamment The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et pourquoi pas un petit Xenoblade Chronicle X, qui est également une exclusivité Wii U, mais que vous n'aurez pas de mal à émuler sur un PC, encore une fois, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir spécialement un pad pour jouer. Contrairement, encore une fois, à Zombie U, vous aurez absolument besoin du gamepad pour jouer. N'empêche que Xenoblade Chronicle X, ça reste une excellente exclusivité Wii U. Je l'ai d'ailleurs téléchargé dans mon émulateur. Mais la Wii U, ce n'est pas simplement la Wii U, puisque c'est aussi... La Wii, puisqu'elle est rétro-compatible. Et ça, c'est cool. Toutes les consoles ne le proposent pas. Hashtag la PS4, vous ne pouvez pas jouer à votre jeu PS3 dedans. À moins de prendre le PS Now, les trucs comme ça. Mais là, vous pourrez réellement insérer vos CD et elle va les lire. Il me semble que les toutes premières générations de PS3 étaient rétro-compatibles avec les jeux de PS2. Après, ils l'ont arrêté en changeant les modèles... en passant sur les PS3 Slim et tout, les PS3 un peu plus stock. Bref, voilà. C'est vraiment les toutes premières générations de PS3 qui sont rétro-compatibles. Et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas continué de faire ça. Ici, j'ai ma petite collection de jeux de Wii. Hein. Alors, Wii Fit, bon, c'est sympa, franchement, c'est bien. Shaun White Snowboarding, ça, c'est un peu pété. Hein. Fort Boyard, excellent, vraiment, j'adore. Il est terrible. Koh-Lanta, excellent, j'adore, il est terrible sur Wii.
Et Lego Batman, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Toujours Fort Boyard, Koh-Lanta, vous le savez, il y a, voilà. Régulièrement, on va dire, il y a une petite vidéo qui pop comme ça sur Wii. Enfin, sur Wii U, du coup, avec le jeu Wii. Alors, que reste-t-il de la Wii U en 2023? Je sais, je suis un tout petit peu en avance de quelques jours, mais on arrive aux portes de la nouvelle année. Eh bien, il reste plus grand-chose, les mecs. Il se passe plus grand-chose sur la Wii U. Alors, vous n'êtes très certainement pas sans savoir que Nintendo a décidé de désactiver pas mal de services sur la Wii U et sur d'autres consoles, je crois, sur la Nintendo DS. Notamment le Wii U Chat qui ne va plus fonctionner. Vous aurez systématiquement un code d'erreur pour vous dire que ce service n'est plus fonctionnel. Merci de votre compréhension. On ne peut plus accéder au Miiverse. Quelle tristesse. Non, c'est triste, les mecs. Je kiffais me rendre dans le Miiverse, aller voir un petit peu ce que les gens y faisaient. Voilà, les gens partageaient leurs dessins, partageaient un petit peu des captures d'écran, partager leurs avis sur des jeux, on se donnait des solutions et tout. C'était super cool, c'était la communauté de la Wii U, le Miiverse. Et donc désormais, quand tu cliques dessus, c'est fini, tu peux plus y accéder. On peut plus accéder à des trucs comme Netflix, par exemple, tout ça, ce n'est plus mis à jour, et Nintendo a décidé de désactiver ses services. C'est tout à fait possible que ça leur prenait de la place dans leur serveur, je ne sais pas, que ça leur prenait du temps à gérer pour au final peu de joueurs. Là, je vous dis ça, mais je sais pas. Hein. Bon, après avoir désactivé le Wii U Chat, je ne sais pas vraiment s'il y a beaucoup de gens qui s'appelaient avec ce système. Je l'ai déjà fait pour appeler un abonné, bon il y a un moment maintenant, hein, c'est quand ça marchait encore. Hein. Mais c'est vrai que ce service, il était un petit peu, on va dire, optionnel, superficiel à la console, hein, j'ai envie de dire. Puisque à l'époque, je crois que Skype s'était déjà sorti, hein. Il y avait Skype, il y avait Messenger, bref, il y avait plein de trucs pour déjà faire de la visio. Alors après toutes ces miséricordes sur la Wii U, après avoir été boudé par le grand public, hein, Nintendo se sont sortis les doigts. Ils ont dit, attends, bouge pas, on va rebooster les ventes de la console. Ils ont embauché des équipes, ils ont pris les meilleurs, ils ont agrandi les effectifs, ils ont travaillé 6 ans dans l'ombre. On attendait tous le mois de décembre 2021, date à laquelle ils ont annoncé la dernière exclusivité de la Wii U. Les mecs dormaient à l'entrée des magasins, ils ont fait la queue pendant des semaines, ça se piétinait, ça s'écrasait, c'était la folie. Et le jour fatidique arriva enfin, la date de sortie, le 9 décembre 2021, la dernière exclusivité Wii U. Ouais, bah écoute, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. C'est pas mal, hein. Voilà. Si vous le cherchez, il est à 2,99€ sur le store de la Wii U. Personnellement, j'attends qu'il baisse un peu. Alors, c'est vrai que, bon, la dernière fois, j'étais à Leclerc et je passais dans ce rayon, il y avait un paquet de cacahuètes grillées à sec et je me refaisais le film dans la tête, putain. Capitaine U, paquet de cacahuètes, je me le suis pardi deux fois, j'ai pris le paquet de cacahuètes, je me suis installé dans mon canapé avec celui-ci, j'ai regardé un let's play de Capitaine U et j'ai pas regretté mon achat. Voilà. Je suis mauvais. Vous l'aurez compris, c'est pas ce jeu-là qui a fait décoller les ventes de la Wii U, quoi. Même si on souligne l'effort, hein. C'est vraiment bien. Voilà, c'est un petit studio indépendant. C'est pas Nintendo, bien sûr, qui a fait ce jeu. Sinon, il l'aurait très certainement appelé Capitaine Nintendo Wii U. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter une Wii U en 2023? Moi, je pense que oui, si vous êtes chaud pour vous refaire des petits jeux que vous n'avez pas forcément fait, ou voilà. Peut-être juste simplement pour le plaisir d'avoir une Wii U, pourquoi pas, hein. Surtout qu'aujourd'hui, elle reste abordable. Vous pouvez l'avoir d'occasion, la trouver sur le bon coin. Bon, bien qu'il y en ait qui commencent à se toucher sur les prix, hein. Voilà, ils se disent, ah, c'est Nintendo, c'est plus fabriqué, alors vas-y. Il y en a qui te vendent des packs à 600 balles. Mais vous inquiétez pas, tant qu'il y aura plein de gens qui la vendront à 50 balles, 100 balles, voilà, vous avez des Wii U en très bon état à ce prix-là,
ceux qui la vendent 600, 700 balles les vendront jamais, quoi. Non, non, faut dire qu'il y en a qui se touchent un peu sur les prix. Mais en moyenne, aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver des Wii U entre 100 et 150 euros en très bon état, avec les boîtes d'origine et tout, sans aucun problème. Donc ouais, pour ce prix-là, je trouve que ça peut valoir le coup, pourquoi pas. Donc après, effectivement, si vous cherchez des éditions collector, les éditions Zelda et tout, c'est ceux-là qui vont valoir un peu plus cher, tu vois, mais bon, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je te dessine 2-3 Triforce sur ta console, tout ça pour pas un rond. Et t'auras une édition collector, mon gars, et je te la signe jolade derrière. Alors, tu pourras la revendre 800 balles, mon gars. Minimum. Bref, aujourd'hui, cette console a été remplacée par le digne successeur qui n'est autre que la Nintendo Switch, hein, qui l'a très bien remplacée d'ailleurs. Mais pour vous dire qu'à l'époque, on avait déjà le prototype de la Nintendo Switch dans les mains. Voilà, c'était la bêta de la Nintendo Switch. En tout cas, je tenais vraiment à faire un petit hommage à cette console en vidéo parce que franchement, c'est vraiment une console que j'ai kiffée, que je kiffe encore, hein, puisque je l'ai toujours. Elle est vraiment toute neuve, ma Wii U, je vous jure. Hein, je la remets dans un rayon à Carrefour, j'ai encore la boîte d'origine et tout, elle a pas une pliure, rien. Hein. Il y a l'écran de protection, il y a les housses en silicone. Je la remets, je te glisse une petite garantie dans la poche, je te dis qu'elle est toute neuve, mon gars. Tu vois que du feu. Tu vois, voilà. Donc faites attention, hein. Des fois, les packs, on vous dit « Ah, c'est tout neuf, ça a jamais été ouvert. » Non, c'est juste que voilà, les gens, ils ont pris soin. Mais en fait, l'autre, il a déjà 50 000 heures de jeu sur la Wii U. Tu vas l'allumer, ça va faire « Elle va cramer. » Non, je vous dis ça, j'abuse. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de soutenir, hein, en repartant le petit like, le petit abonnement, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que si vous cherchez des jeux vidéo, ça se passe sur le petit lien G2A dans la description. Il y a des bonnes promotions, ça soutient la chaîne, vous le savez. Et moi, je vous dis à bientôt, je vous laisse, je vais aller naviguer dans le néant. Bah oui, parce qu'il n'y a plus grand-chose à naviguer là-dedans. Allez, salut! Eh non, ça marche plus. Hein. Dommage.